Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing spécial Diamond Painting avec la boutique Diamond Argif. Ça fait déjà un petit moment que j'ai reçu ce paquet. J'en suis désolée, ça fait plus de 15 jours je crois, si je ne me trompe pas. Pourtant, je l'avais reçu très très vite, mais je n'ai pas eu le temps du tout de vous faire la vidéo avant. Et je t'en ai marqué 15 jours, ça me semble bizarre, mais ouais, mais le temps passe vite. Oh, le temps passe vite. Donc, j'avais reçu en une dizaine de jours ce petit colis, voilà. Alors, je vais vous présenter dedans un petit accessoire, un DP et également un DIY en diamond painting, donc à faire. Alors, je vous montre d'abord tout de suite, après on se mettra face bureau. Je vous montre tout de suite, comment ça s'appelle, l'accessoire, voilà. Bon, tout simple. Par contre, je pensais qu'il allait y avoir un petit bouchon, mais il n'y en a pas. Bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est un petit plateau comme ça, rectangulaire, avec un petit trou ici. C'est pour ça que je pensais qu'il allait y avoir un bouchon là, mais il n'y en a pas. Bon, on verra bien. Donc, ce petit plateau en tonnoir est au prix de 0,99$. Voilà, ça c'est tout simple. Donc, vous le recevez dans un petit sachet, comme ça. Mais je vous dis, il n'y avait pas de petit bouchon. Donc, je ne sais pas s'il y en avait un à l'origine ou pas, mais je ne pense pas. Je vais me mettre face bureau pour vous montrer la suite. Voilà, on commence par le DIY. Donc, vous allez avoir déjà un petit toolkit, hein, comme d'habitude, le petit plateau stylé et la glu. Alors, il va y avoir des petits accessoires. On a une chaînette, comme ceci. Avec des gros maillons, voyez. Donc ils sont beaux les maillons. Alors attendez, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, voyez, ils sont assez originaux. Donc on a une chaînette, on va avoir des strass et des perles spéciales. Et on a ceci. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un miroir. Alors, on a le miroir ici avec... Il y a une protection dessus. Alors, si j'arrive à soulever un peu, tout au moins pour... Mes ongles se sont cassés, du coup, je n'ai plus d'ongles. Ah, voilà. Hop. Voilà. Le miroir. On va remettre la protection. Alors, par contre, est-ce que derrière, ça... Oui, c'est autocollant. Voilà. Derrière, c'est autocollant. Alors, je conseillerais peut-être quand même de remettre un petit peu de colle forte. Voilà. Ici, bien sûr, on va avoir également la protection pour protéger la colle qu'il y a sur le contour. Oh, je vais y arriver! Sur le contour de du diamond painting, voilà, du miroir. Oh là là, ça devient grave. Ça va. Bon, au milieu, bien sûr, ça ne colle pas. Alors, j'avais regardé et c'est vraiment très, très juste. Alors, il faudra... Voilà. Hop. C'est vraiment très, très juste. Mais normalement, ça rentre pile poil. Mais alors, au millimètre. Hein, et encore, le millimètre, c'est large. Voilà. Voilà. Donc, ça se mettra comme ça. Ensuite, il faudra, quand vous l'aurez fini, il y aura deux trous ici. Voyez, là. Et il y en a un là.
pour y mettre votre chaînette. Voilà. Qui va s'attacher avec ses petits crochets. Voilà. Donc, on mettra la chaînette comme ça. Hop. Pour vous le pendre. C'est pas mal. C'est joli. Alors, moi, quand il sera fini, je vais le mettre dans mes toilettes. Je suis désolée, mais voilà, j'ai choisi de le mettre dans mes toilettes quand ce sera fini. Ça fait 20 cm de diamètre. Et le miroir, il doit en faire 10 peut-être. Ouais, 10. Voilà. Je n'ai pas de miroir dans mes toilettes. J'aime bien avoir un petit miroir. Mais bon, je vais mettre ça. Donc, on a des strass. Voilà. Des petits strass, hein, tout simple, avec de jolies couleurs. Alors ici, on a des yeux de chat, transparents, un peu holographiques. Là, on a des demi-perles AB rouges. Ici, on a des strass holographiques, vert, des yeux de chat un peu violets, un peu holographiques également. Et ici, on a des gouttes d'eau. Voilà. Pareil, avec des reflets. Elles ne sont pas holographiques, mais ça fait des petits reflets. Voilà. Donc, des jolis. Ça, je crois que ce sera très joli. Ça va briller de mille feux, comme on dit. Hop, voilà. Ce petit miroir, il est au prix de 8,99 $. Voilà. Et pour terminer, un petit DP, un partiel pour une fois. C'est très rare que je montre les partiels. Mais, alors, oh. Il colle bien. Ouais, c'est rare que je montre des partiels, mais bon, de temps en temps, pourquoi pas. Oups. Alors, c'est un carré. Alors, il est dans quel sens? Il est dans ce sens-là. Voilà. Alors, c'est un panda. Un panda multicolore. Je pense que je vais le faire rapidement, celui-là. C'est vrai que je ne fais plus beaucoup de DP, mais voilà. Hop. Voilà. Comment, regardez-moi ça, il est joli, hein. Donc sur fond noir, je pense qu'il va péter. Il va être beau. Alors on a 11 couleurs. Ah oui, combien, je ne vous ai pas dit le nombre de couleurs qu'on avait pour le... Bon, je ne sais plus, je regarderai après. Voilà. Donc, niveau impression, bah, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous ai présenté un peu vite le miroir. Je reviens dessus. Je vais revenir dessus tout de suite après. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez? Vraiment, très, il va être très joli. Alors, là, on a des strass, on a des AB... On a... Oh là là, il va être beau. Oh là là, oui, il va être beau. Il va être très beau. Alors, je vous montre les perles. Alors, on commence déjà par des AB blanches. Des strass bleues. Regardez-moi ça, ceux-là, les turquoises. Des demi-perles noires. Des strass orange, du rose, du vert, du bleu, des demi strass. Alors, voyez, on dirait que ça fait un peu diamant. Des yeux de chat vert et oh, cela j'en ai encore jamais eu. Regardez,
Oh, ils sont... Ah, là, bon, celui-là, il est un peu raté, mais c'est pas grave. Oh, ils sont trop beaux. Ouais. Ils sont trop, trop beaux. Ouais, il va être magnifique, ce panda. J'ai bien fait de le prendre. Hop. Allez. Bon, j'arrive jamais... Quand je déplie mes strass, après, je n'arrive jamais à les remettre. Alors, ce petit panda qui fait 30 sur 30 cm avec 11 couleurs, il est au prix de 4,99 $. Voyez, donc, tout petit prix. Et je crois qu'il va être magnifique. Ouais. Voyez les grosses, les dernières que je vous ai montrées, les voilà. Elles vont être là, ici, un petit peu. Là, en bas. Ouais, il va être trop, trop beau. Trop, trop beau. On revient un petit peu sur le miroir. Je suis désolée, je ne voulais pas montrer. Je ne sais pas ce qui me... Je ne vous ai pas montré en détail. Donc, ça, les perles, le miroir, je vous ai montré. Mais, alors, attendez. Si on enlève le flash, est-ce qu'on voit mieux? Oui. Voilà. Au niveau de l'impression, vous voyez. Il va être très beau aussi. Hein. Il va être très beau aussi, ce miroir. Voilà. Et du coup, au niveau de la colle, bah, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il ira très bien. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas montré en détail. J'ai zappé là. Et vous voyez, donc là, on a les trous pour mettre les attaches. Voilà. Le deuxième est là. Donc voilà, excusez-moi de ce petit oubli. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, vous avez vu aujourd'hui pour la boutique Diamond Argif, donc ce petit accessoire, ce DP panda en strass et ce miroir en forme de fleur, pareil, tout en strass. Je crois que ça va être deux articles qui vont être très très jolis à faire. Alors, on va voir si c'est... Alors, ma petite fille, en ce moment, je la garde de temps en temps, puisque sa maman a trouvé un travail. Et du coup, quand elle n'a pas l'école, qu'elle vient à la maison, bah, elle fait des soies de la broderie, hein, ça vous avez pu le voir, ou alors du DP. Voilà, donc peut-être que le miroir, elle va dire, mamie, je vais le faire, on verra. Pourquoi pas, ou alors le panda, hein, si elle veut faire le panda, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Elle fait ce qu'elle veut à la maison, voilà. Hein, c'est le rôle des mamies avec leurs petits-enfants. Les petits-enfants ont le droit de tout faire. Je crois que certaines d'entre vous doivent savoir de quoi je parle. Allez, il y a quand même Fifi qui vient vous faire un petit coucou. Voilà. À ma Fifi. Coucou. Oh oui. Allez, moi je vous laisse. Je remercie beaucoup la boutique Diamond Argif. Très heureuse des articles qu'ils m'ont envoyés. J'espère pouvoir les faire rapidement, moi ou ma petite fille, ou avec ma petite fille. Voilà, je vous montrerai les résultats ou si je filme, on verra comment je vais faire. Mais en attendant, moi je vous fais des gros bisous avec Fifi, voilà, qui se balade. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous. Thank you.